Bonsoir à tous, bienvenue à Levallois, bienvenue dans cette magnifique salle Marcel Cerdan, l'un des temples de la boxe en France. Nous vous proposons ce dimanche de vivre la suite de la soirée Fight on Furious. Nous nous sommes régalés ce samedi avec les victoires d'Hassan Ndam et de Cédric Vitu. Nous nous sommes régalés aussi avec les commentaires de notre champion Souleymane Mbaye. Bonsoir Souleymane. Bonsoir. On peut attendre surtout une très grosse performance de notre duo de commentateurs, Jean-Philippe Lustig et Dominique Natto. Bonsoir messieurs. Bonsoir, bonsoir messieurs. Bonsoir. C'est toujours un plaisir de se retrouver dans ce contexte-là. Toujours beaucoup de chaleur, de passion et pour notre plus grand bonheur. Donc, trois combats de très haut niveau, c'est vrai, avec des titres en jeu, des combats en 12 rounds. Peut-être que certains d'entre eux n'iront pas au bout. On va donc ouvrir avec le match d'Ivan Mendy contre donc Kasmi pour un titre WBC international dans la catégorie des poids légers. Mendy est l'incontestable favori de ce combat parce qu'il est... Tout simplement, son palmarès est élogieux, supérieur, et puis c'est qualité. Il vient de battre le champion olympique en voilà. Angleterre chez lui. Et ça, c'est un exploit formidable. C'est parti, derrière Jean-Pierre Causeyal. Il est parti. Ça vous présente le championnat international au boxing council des poids légers. Moins de 61 kilos, 235 grammes sur la balance, en 12 reprises de 3 minutes. L'opposition donc, 4 cm de plus pour Ivan Mendy. 400 grammes, on est donc en dessous de cette limite des poids légers. 33 ans Kasmi qui a déjà une longue carrière mais qui paradoxalement a bien moins de combats qu'Ivan Mendy puisque Mendy dispute ce soir son 39e combat et Kasmi seulement son 20e. Mendy donc va pénétrer en 2e position. Avec cette formidable mise en scène et une grande soirée. Nous allons accueillir le challenger. Il est basé à Torcy, en Seine-et-Marne. Sous vos applaudissements, Samir Kasmi. Avec Baron. Composé tout spécialement un morceau pour lui. Et le rappeur le Baron de Montfermeil qui accompagne l'entrée de Samir Kasmi. Samir Kasmi est un petit peu alors que cette musique en direct dans cette soirée prestigieuse, très riche, très dense, passionnante, qui fait du bien à la boxe en France, c'est incontestable. Hein. Malavine Koné qui s'est lancée dans l'organisation depuis maintenant le mois de juin a passé un niveau supérieur encore avec cette première grande soirée de l'année 2016. L'entrée de Samir Kasmi. Méfions-nous de son nombre de défaites qui ne donne pas un aperçu réel du niveau de Samir Kasmi. Ça a très peu de signification en effet parce que Samir Kasmi c'est un garçon qui accepte tous les adversaires et il va souvent à l'étranger et chez l'adversaire. C'est le champion international WBC en titre, c'est sa première défense. On accueille Ivan. Que c'est un des boxeurs les moins connus, peut-être l'un des moins exposés, mais paradoxalement l'un des plus forts que l'on ait en France, Ivan Mendy. 30 ans, seulement 4 défaites en 38 combats, et l'actuel détenteur de ce titre international, grâce à cette victoire, comme le disait Dominique il y a quelques minutes en Angleterre, devant l'invaincu et champion olympique Luke Campbell,
C'est au mois de décembre, exploit considérable de gagner dans un contexte défavorable. Et de quelle manière pour ce boxeur qui tient donc cette ceinture, mais qui surtout a été le meilleur champion de France des poids légers entre 2013 et 2014, remportant 4 titres. Et passons donc maintenant à la vitesse au niveau supérieur. Mendy, superbe athlète, sculptural même, le boxeur de Pont-Saint-Maxence, qui est un véritable poids léger, à la différence de Samir Kasmi, qui vient des super plumes, lui qui d'ailleurs a été champion de France de la catégorie en 2011. Samir Kasmi est un vieux baroudeur quand même, qui a beaucoup, beaucoup d'expérience. Et qui a beaucoup bourlingué. Exactement. Qui va poser des problèmes sur le plan technique. Il est visé par les forces piégeois, principalement le kickboxing. Il est âgé de 33 ans. Il a livré 23 rencontres amateurs avant de passer professionnel le 24 septembre 2004. Il va effectuer ce soir son 32e combat. Le palmarès comporte 19 victoires, dont 5 obtenues avant la limite, 11 défaites. 4 concédés avant le terme du combat, ainsi qu'un match nul. Successivement vainqueur du tournoi de France, de la Coupe de la Ligue de boxe professionnelle, deux fois champion de France, deux fois champion de l'Union européenne des super plumes, Samir Kasmi. Au point rouge, il est âgé de 30 ans. Il a livré 45 rencontres amateurs avant de passer professionnel le 25 mars 2006. Il va effectuer ce soir son 40e combat. Le palmarès comporte 33 victoires, dont 16 obtenues avant la limite, 4 défaites, un match nul ainsi qu'un no contest. Il a été deux fois champion intercontinental pour la World Boxing Federation, 5 fois champion de France des poids légers, champion international World Boxing Council depuis sa victoire face au champion olympique Luke Campbell, sous contrat avec le promoteur Mehdi Latifi de Coin Sport, Yvan Le Lion Mendy. Le superviseur de ce championnat international World Boxing Council est monsieur Mauro Petit. L'arbitre directeur de combat est monsieur Robin Dolpierre, France. Les trois juges sont monsieur Guido Cavalleri, Italie, monsieur Massimo Ballovecchio, Italie, et monsieur Christophe Fernandez, France. Dans quelques secondes va donc débuter ce titre international entre deux Français au style différent, au parcours différent, dans une ambiance toujours survoltée. Yvan Mendy et son entraîneur Giovanni Boggia, qui depuis qu'il est passé professionnel en 2006 s'occupe de lui dans ce boxing club de Pont-Saint-Maxence. Il est le favori, Souliman. Yvan Mendy est un magnifique technicien qui vient des super légers, qui curieusement est descendu de catégorie pour se rendre réellement efficace en poids léger. Exactement, il faut savoir que c'est vrai que l'avantage de la taille joue beaucoup, surtout dans les catégories inférieures. Et c'est vrai qu'avec son allonge, il peut poser des différences. C'est vrai qu'il a eu un palmarès en championnat de France où il a battu tout le monde. Et c'est vrai d'aller en Angleterre dans une position très difficile, et ben dans sa tête, il est devenu très fort. Et je pense que ce soir, il va le démontrer. Monsieur Robin Dolpierre, l'un de nos tout meilleurs arbitres nationaux. Les dernières recommandations, les deux boxeurs dans les coins neutres. Attention, ils vérifient en demandant s'ils ont leur protège-dents. Allez messieurs, faut y aller. On est impatients de voir ce combat. C'est parti. Le lion, plus grand, à la musculature dessinée, c'est Yvan Mendy, 30 ans, 10e saison professionnelle, face à lui donc plus petit, Samir Kasmi. Le boxeur maintenant de Noisy-le-Grand, qui, Samir, reste sur une défaite concédée en Belgique il y a maintenant presque un an. Il avait perdu pour un titre de la francophonie. Donc il y a un manque de ring chez Kasmi.
S'il passe le début de combat, les 3-4 premiers rounds après, la machine peut se mettre en route. Et pour le moment, c'est Yvan Mendy qui s'est mis en route. C'est lui qui prend en main le combat de manière autoritaire, bras avant. Donc il contrôle et il empêche Samir Kasmi de rentrer dans la zone de contact à mi-distance. Donc voilà l'expérience quand même qu'a acquis Yvan Mendy lors de tous ces championnats et tournois, des championnats à l'international également. Dernière défaite il y a un an lorsqu'il a pris un risque en allant boxer en Finlande. Il y avait une opportunité de disputer le championnat d'Europe devant le tenant du titre, Edis Tatli. Il a perdu à Helsinki au point. Oh, attention, oh là là. Avec le bras arrière, le petit crochet qui a touché la mâchoire, mais Mendy en difficulté. Oui, en difficulté. C'est vrai que pour Samir, la difficulté, c'est pas pouvoir de rentrer. Et là, sur cette petite droite, bah, il a réussi à le faire. C'est vrai qu'une fois qu'il passe le bras avant, il passe en dessous le bras avant de Yvan Mendy, bah, ça va être plus facile pour lui d'être au contact et d'être à mi-distance. Oh, quel bel enchaînement. Plus court, passant en dessous. C'est vrai que Yvan s'était un petit peu endormi hein, sur cette, en dominant ce début de reprise. Et là, il s'est fait rappeler à l'ordre par une petite droite de Samir Kasmi. Il est bien bloqué dans l'écoute, cette attaque au corps de Mendy, qui est bien plus efficace à distance avec son allonge supérieure. On le voit avec cette série de deux directs. Oh, il va être très intéressant. Ce combat, ça se sent. Ça va monter en intensité, en puissance. Ça va se jouer aussi sur la fraîcheur dans la deuxième partie du combat. Parce que je le rappelle, c'est un combat qui est en 12 reprises. Et donc... ça risque de poser certains problèmes pour celui qui sera le moins frais en fin de combat. Je pense que la clé va se jouer vraiment tactiquement du côté Samir, où il va essayer de casser la distance et de rentrer, et par contre pour Yvan de le tenir à distance. Fin de ce bon premier round. On va écouter peut-être le coin bleu. Hein, avance, au lieu de reculer. Là, ça vient. Un peu dans l'œil. Rien dans l'œil, Samir. Travaille de bras avant plus sec. De bras avant plus sec, je suis plus sûr. D'accord, Samir. Tu laisses boxer, tu laisses installer, t'as fait un bon truc, tu l'as compris une fois, t'as pas suivi. Casse la distance, Samir, c'est quoi? Tu restes trop loin de lui. Tu laisses installer, là, c'est pas la boxe que tu viens faire. Je sais que t'as, là, t'es chaud, maintenant, t'es bon. Alors, faut y aller, mon frère. Hein. Faut pas attendre, Landa. Tu vas, donc c'est marrant. Un petit peu, très bonnes orientations, c'est exactement ce qu'il faut qu'il fasse. Il faut qu'il rompre la distance, s'approcher et enchaîner, peut-être en travaillant encore au départ de Bayer très courte. On a revu ça. Deuxième reprise. Et voilà, ce petit. Ça l'a déstabilisé. Crochet, celui qui percute, et oui, qui l'a fait perdre un peu l'équilibre. Début de la deuxième reprise. Attention à la droite. Et c'est Kasmi qui vient de toucher. Voilà. Accélération de Mendy. Oh, il recule Kasmi. Il est en difficulté. Il a été touché. Oh là là, ça va être compliqué. Il est en difficulté. Oh, les coups sont secs et arrivent. L'impact des coups est impressionnant. Chez Mendy qui a plus de 50% de victoire avant la limite. Il vient de passer. Sur un coup, il était capable de renverser la situation. Et il a bien touché. Mais Kasmi est très courageux. Et c'est un combattant qui a de l'expérience. Rappelons-le. Il est dur au mal, Kasmi, il va falloir qu'il le soit parce que s'il est tout rectiligne comme ça, fuse chez Mendy, bien en ligne. Il a gagné en puissance, on le voit avec ses crochets. Un travail qui a été fait de très précis par tout le team de Giovanni Boggia. Un travail très sérieux qui fait qu'il progresse. Kasmi vient de se faire contrer encore avec le bras arrière. Il est obligé de prendre des risques, systématiquement, mais oui. Il se fait prendre en compte parce qu'il prend des risques et il n'est pas dans son état naturel, normal. Il a été vraiment touché, il est éprouvé donc depuis ce coup. Il est encore éprouvé, il est un petit peu sur les talons. Ça va se compliquer pour Samir Kasmi. Mais quel cœur, hein. C'est ce champion exemplaire qui boxe maintenant depuis 12 saisons déjà, qui ne fait pas de bruit.
toujours prêt, toujours généreux dans l'effort et d'une grande humilité. Alors sur le ring, quel tempérament, mais ça va être compliqué. C'est vraiment un guerrier. Ouais. Hein, oh, c'est un guerrier. Il a été touché, il est revenu dans le combat et là c'est lui qui bouscule Ivan Mendy sur la fin. Mais il manque de qualité, de justesse dans ses coups, hein, et de précision. Oui, il va falloir vraiment qu'il trouve l'ajustement de partir soit avant Ivan Mendy, soit après, pour ne pas se faire contrer comme il a eu tout à l'heure. Mais bon, on sait que c'est un garçon courageux et puis il va aller jusqu'au bout. Beaucoup de justesse hein, dans la boxe, il ne précipite pas. Hein. Ivan Mendy, on sent une certaine maîtrise. Une maîtrise, il contrôle le combat, oui. Il contrôle l'adversaire, il l'amène là où il veut l'amener sur son bras arrière droit, donc qui est très efficace. Hein. On a dit, sur un coup, il est capable de retourner une situation. Combat très engagé et Samir qui est quand même sur l'adversaire, qui lâche rien. Il est obligé de prendre des risques, il est plus petit, plus court. Il est obligé de réduire la distance et de prendre des risques, travailler à l'intérieur. On le voit avec ses crochets, quelques supercuts qui peuvent passer. Ah, il est prêt. Il est prêt pour ce combat. Quelle bonne reprise pour Mendy qui domine ce début d'affrontement. Fin de la deuxième reprise. Fan, fais attention. Bah, tu vas pas te péter la main sur sa tête quand même. Tape plus bas. Il a que son crochet gauche. Pierre, t'es trop en train de reculer. Avec notre champion du monde des super lourds. Oui, avec un futur champion olympique, hein, je n'ai pas peur de le dire, en compagnie de Tony Oka. Tony, tout simplement, où en êtes-vous de votre préparation à quelques mois de Rio? Je suis en plein dedans, là. On est maintenant à 4 gros mois, voire 5 maximum des Olympiques. Donc forcément, ça s'intensifie, on a de moins en moins de temps. Un mot sur le combat que vous êtes en train de regarder avec attention. Je vous observais, Tony. On sent que notre ami Ivan Mendy a pris un avantage sur Kasmi. Il a pris un avantage sur Mendy. Maintenant, c'est vrai que c'est parti très, très, très fort. Donc, on sent qu'à tout moment, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Merci, Tony, d'avoir été avec nous. Ramenez-nous la petite médaille qui va bien hein, de Rio. J'espère bien. Ah, ça serait formidable. On a entreaperçu quelques secondes. On va le revoir plus précisément plus tard. Mais les trois juges, et c'est un fait nouveau, voilà, ils ont un casque. C'est pas pour faire beau, tout simplement, c'est la décision de la WBC pour les isoler et pour leur permettre d'être plus concentrés, pour ne pas être sujet à l'ambiance qui règne et pour donc être plus, je dirais, moins influencé. Voilà, exactement. Il y aura une certaine neutralité dans la mesure où, quand on boxe à domicile, ça pose, effectivement, c'est un avantage pour le boxeur. Encore que là, ce sont deux boxeurs français qui disputent le titre. Donc les deux sont à domicile et c'est rare qu'on arrive à trouver des combats de cette intensité avec des titres disputés par deux boxeurs français. Pas de temps mort hein, dans ce combat. Intervention de l'arbitre, monsieur Delpierre, qui sont très rares. C'est toujours bon signe quand on ne voit pas un arbitre dans un affrontement. Attention, petite droite en sortie de corps à corps qui vient de toucher à la tempe. Oh là là, le crochet gauche, il prend des risques énormes en balançant un crochet gauche comme ça, il se découvre. Il se découvre, il a commencé un bon début de round avec une bonne intensité. Le seul problème, c'est qu'il est obligé de se découvrir et puis Ivan Mendy utilise la brèche et le contre de temps en temps. Mais c'est vrai que le début de round avait mis Samir une bonne intensité. Kasmi, champion donc de France en super plume en 2011-2012. Puis derrière en 2013-2014, deux championnats de l'Union Européenne. C'est juste le niveau en dessous du championnat d'Europe lorsqu'il avait battu Samir Ziani et Sébastien Cornu. À Clichy d'ailleurs, dans la salle Racine. Match de haut vol, très serré, intense, comme tous les combats d'ailleurs du fougueux Kasmi. Et on sent un petit peu la différence de catégorie. Eh oui, il y a un boxeur qui vient des super plumes. Un des légers, il y a une différence de niveau aussi. Après, il prend des risques, il ouvre la bouche, il met tout ce qu'il a. Ça va être très compliqué. Il n'a pas trop le choix. Ça va être très compliqué pour Kasmi. Ivan qui gère parfaitement son combat, qui contrôle bravant, qui enchaîne ses actions, ses attaques, et qui est plus fort. Là, on vient encore de le toucher. Il est déséquilibré, Kasmi. Il est en difficulté. Surtout qu'Ivan tape fort, lui fait mal sur un coup.
et donc effectivement ça freine des fois certaines, on va dire, les ardeurs de Samir. Donc il doit faire attention, mais il est obligé d'y aller pour faire la différence, et c'est ce qui fait qu'il ça l'expose, et des fois il se fait contrer. Mais l'intensité, Mendy ne laisse pas de... il marche en permanence sur lui, hein. Il n'y a pas de temps mort. Troisième round. Quel bâtard. Il travaille sur le déclenchement adverse. Il oblige Kasmi à déclencher. C'est lui qui termine les actions. C'est lui qui met la puissance sur les coups. Et c'est lui qui est le plus efficace. Et quand il rentre dans le coup, Kasmi a du mal. Troisième reprise. Il tombe. Et toi, tu dois rester concentré. Tu ne dois pas être mauvais quand tu l'as touché. Il reste bien droit sous le pied. Quand tu l'as touché, continue. Mais tu ne juges pas en même temps. Continue à être dit. T'es bien relâché. C'est très dur pour lui sur ce rythme-là. T'arrives à le garder ? Ouais. Ne recule pas trop. Parce que ça le fatigue plus quand t'avances. Il doit résister, c'est plus dur. Mets bien tes jambes. Fais-le bien boire parce que t'as chaud. Par bon maximum sans que ça te fasse du mal. Faut voir ton banderole. Hein. Bouge la tête. Bouge la tête. J'aime toujours la relation entre Boggia et ses boxeurs. C'est toujours une relation très calme, forte, de confiance. Oui, c'est tout. Il faut savoir que pendant ces moments-là, c'est très essentiel d'avoir vraiment un homme de coin, ce qui s'appelle un homme de coin, pas seulement qui vous accompagne, mais qui vous connaît, qui vous dit exactement comment ça se passe pendant le moment, comment il faut réagir. Et c'est vrai que c'est souvent les hommes de coin qui vous donnent la solution et savoir quoi faire pendant l'instant. Alors, quatrième round. Ce qu'on a pu remarquer. Oh, le crochet gauche. C'est la sérénité que d'Ivan Mendy dans le coin. Il n'est pas essoufflé. Oh, et il grimace maintenant. C'est maintenant. Et Kasmi a mal. Kasmi a mal. Il y a le crochet gauche. Le crochet droit derrière. Il a été touché. Il a été touché au corps. Il est obligé de reculer pour récupérer. Le challenger est en difficulté. Oui, absolument. Oh là 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 là. Il y a un travail de destruction. Il le sape. Il travaille au corps. Oui. Ouf. Il fait mal, Mendy. C'est un frappeur, hein. Ce n'est pas un puncher, mais on sent qu'il n'y a pas beaucoup de déchets, une précision, un contrôle. On est sur une lancée pour aller atteindre des objectifs beaucoup plus élevés. On en a encore l'illustration avec ce croche, ce direct du bras arrière. Bon, on sent une grande maîtrise de la part de Mendy, où il prend son temps, il regarde, il part pas pendant, il attend vraiment la fin de la série de Samir pour pouvoir le contrer, et soit justement avec un crochet gauche, soit avec un coup au corps, et là on voit vraiment l'expérience, voilà, il avance vers lui calmement et garde haute. Il lui coupe la route. Comment Kasmi peut-il trouver la solution? Parce qu'en même temps, ce n'est pas solution, un gros frappeur. La solution, serait peut-être d'aller se coller un peu plus à lui, et d'enchaîner et de le bousculer, parce que c'est une telle mécanique. Il est au-dessus. On voit encore que là, il vient de toucher avec son bras arrière droit. Il est très efficace, très efficace. Et puis, ce n'est pas un gros frappeur, hein, comme l'attestent ses 5 victoires. Avant la limite, c'est 19 succès seulement, Kasmi. Non, comme dit Dominique, c'est vraiment de le bousculer, de l'empêcher de s'organiser, de boxer, et vraiment de le faire reculer afin de pouvoir, sur un contre de Mendy, le toucher, sinon ça va être très compliqué. Contrôle l'adversaire. On le voit sur ses esquives, il est en contrôle. Hein. Et on sent qu'il peut accélérer encore à tout moment. Il a de la marge dans ce combat. Kasmi a le poing levé, mais le visage est marqué. C'est dur, il est courageux, mais c'est compliqué pour Samir Kasmi. Un champion du monde, il commence le round comme t'as fait. N'hésitez pas à intervenir. Le hashtag, bien sûr, Box21. Pour participer activement à cette grande soirée. Allez, tout le monde, c'est...
c'est là, comme on disait, les hommes de coin sont très importants. Et là, dans le coin de Samir Kasmi, ils doivent lui donner des solutions, doivent l'aider plus ou moins à trouver, parce que c'est vrai, face à lui, il a une machine qui ne se désenraye pas, et c'est vrai que c'est compliqué. Alors quand Boggia parlait à son boxeur en disant « Tu m'as fait un début de round comme un championnat du monde », il se projette déjà dans le futur. L'ambition, c'est d'un jour d'être champion du monde. Un petit mot d'ailleurs sur un boxeur anglais qui s'appelle Terry Flanagan, dont on va diffuser mercredi soir en exclusivité sur l'équipe 21, son championnat du monde. Le boxeur de Liverpool qui affronte un compatriote de Liverpool, Matthews. Il est invaincu, Flanagan, il est formidable. C'est le titre WBO en jeu. On va se régaler donc mercredi soir à 20h30 pour une nouvelle grande soirée de boxe en exclu sur l'équipe 21. Pour le juge A, Mehdi 40, Kasmi 36. Les soirées organisées par Malamine Koné, Levallois et aussi avec Tiver étaient parfaites aussi, puisque même les combats d'encadrement, c'est des combats de haut vol. On a eu droit à vraiment des belles soirées. Ça fait du bien à la boxe, au contraire, on en avait besoin depuis un moment. Donc c'est vrai que, après, je dis toujours, à Levallois, c'est un temple prestigieux. Et c'est vrai, là, ce soir, on voit des beaux combats. Attention au contre. Et pointage, donc, comme j'évoquais les juges, donc les trois juges au bord du ring avec leur casque jaune. La WBC maintenant officialise le pointage. Après 4 rounds, ils annoncent officiellement le pointage. 40-36, 3 fois en faveur de Mehdi qui a donc gagné logiquement les 4 premiers rounds. Une règle qui est en vigueur depuis quelques années déjà. Et qui n'est pas toujours respectée d'ailleurs. Là, elle a été. C'est très bien parce que ça permet aux hommes donc de coin d'orienter le match. La difficulté pour Samir là, c'est vraiment de soit partir le coup avant Ivan Mendy, soit après, parce que dès qu'il finit ses séries, Samir, ben, la sentence est immédiate. Ivan le compte soit en crochet, soit au cou encore, et là la complication est là pour Samir. Il vient de prendre une série de courts crochets qui ne paraissent pas, enfin, qui paraissent pas anodins, mais qui n'est pas forcément donné avec tout l'impact et toute la puissance, mais qui marque des points et qui use. Hein. Même s'il réagit, on voit la différence d'efficacité. Kasmi qui recule dans cette fin de cinquième round. Oh là là, le crochet gauche, mais c'est involontaire, c'est dans l'élan. Ouais, c'est rien. Il y a du respect, mais il perd son round. La cinquième reprise. Allez, dans le coin un peu de Samir. Lève ta main. Elle est trop basse. T'entends ? Colle-le, Samir. Travaille le corps face, sois un peu plus rapide. Respire. Et Pierre, qui est avec l'ancien champion, enfin le champion de France des poids légers, qui d'ailleurs avait perdu son titre devant Mendy il y a 3 ans, c'est Marvin Petit. Oui, Marvin Petit qui est blessé, qui devait participer. On compatit avec vous à cette très belle soirée. Marvin, tout simplement, votre regard d'expert sur ce combat, on sent beaucoup de gestion, beaucoup de sérénité chez Ivan Mendy. Et il est serein, il est sûr de lui en fait. Il boxe propre, c'est un guerrier. Et je pense que pour l'instant, c'est l'avantage est de sourire. Est-ce que vous pensez que ça va aller au bout ? Après, sur un coup, tout peut arriver, comme Kasmi, comme Mendy. Tout peut arriver. C'est un combat qui est serré, c'est un combat de guerrier, mais Mendy, il est sûr de lui. Merci beaucoup, voici l'analyse donc, de Marvin Petit, qu'on aurait dû voir sur le ring, mais qui est blessé. J'aurais dû me voir, j'aurais fait du beau spectacle. Il est sympa, Marvin. Quand on lui donne le micro, maintenant, il ne le lâche plus. Hein. Voilà. Attention, alors... Sur le ring, donc un petit problème de bandage, il y a un break, ça tombe bien. Donc, c'est au niveau de l'élastoplaste qui protège le gant. Et pendant ce temps-là, vous voyez Patrick Bois Junior. Patrick Bois dans son vestiaire, à combien ? À moins, à une heure environ, de son championnat d'Europe des poids mi-lourds. Patrick Bois Junior, que vous allez découvrir pour la première fois sur l'équipe 21, un boxeur de tempérament, 25 ans, orgueilleux, capable de tout. C'est pas le favori, parce qu'en face, le russe, Mikalkin est très fort, mais on ne sait jamais, on le souhaite. Pour ce boxeur attachant, on dirait un peu plus ultérieur. C'est un guerrier. Ben oui, lui aussi. Allez, on revient. Encore 2 minutes. Allez,
dès que Ivan Mendy accélère, donc il met en difficulté systématiquement son adversaire. D'ailleurs, maintenant, il va falloir peut-être qu'il change de rythme. C'est-à-dire qu'il a une avance confortable. Mendy, comme un champion d'ailleurs, qui est capable, je dirais pas d'abréger de combat, mais simplement de passer à une vitesse supérieure. Et peut-être qu'il va écouter d'ailleurs en voyant cette séquence-là, mais il a les moyens de gagner avant la limite peut-être. Ah oui, il a les moyens. D'ailleurs, il le prouve sur des séquences comme celle-ci où il accélère. Mais effectivement, comme on lit dans son coin, comme un champion, il faut avancer calmement, sereinement, ce qu'il a fait au début. Et là, on voit tout de suite la sentence sur des crochets-là. Et dans son coin, Mendy, on lui demande d'avancer. Et d'élever le niveau, parce que l'intensité du combat, parce qu'il sent bien qu'il y a Samir qui est sur le point de rupture. Chaque fois que ça accélère un petit peu chez Mendy, derrière il y a une rupture. Mais quelle solidité hein, chez Kasmi, quel cœur, c'est... Oh, c'est formidable, vraiment. C'est ce qu'on aime dans la boxe, c'est des boxeurs comme Samir qui donnent tout. Et là, il le prouve encore, parce que croyez-moi que c'est pas évident avec tout ce qu'il vient de recevoir depuis ses débuts de combat. Mais à il chaque est fois, toujours là. Kasmi a fait des combats inouïs. On se souvient encore d'ailleurs, il y a 3 ans, un championnat d'Europe qu'il avait disputé contre Devis Bosquero. Le même Bosquero qui avait perdu son titre devant Romain Jacob. Il avait fait un combat inouï, comme d'ailleurs dans le championnat de France de Superbum devant Romain Jacob. Samir Kasmi est un boxeur qui ne triche pas. Il est toujours à son niveau, il donne toujours le maximum et il donne toujours ce qu'il a. Et il a eu la malchance de tomber systématiquement sur des boxeurs qui étaient mieux classés que lui et chez eux. Ah, il n'a jamais eu une carrière facile, protégée, comme on dit dans le jargon. Il va boxer à domicile. Voilà, il est allé chercher des succès, ce qui explique son nombre de défaites. Hein. 11 défaites, donc, pour 19 victoires et un match nul. Il est là encore, le point rageur, Kasmi, qu'on va écouter dans son coin. Fin de la 6e reprise, nous sommes à la mi-combat. 6 reprises effectuées, il en reste autant à accomplir. Sa mère, faut que tu lâches plus tes coups. Hein, colle-le et durcis. Colle-le et durcis. T'entends? Hein? Sa mère, tu vas aller. Arrête-toi! Casse la distance, sa mère, regarde-moi. Casse la distance, t'es trop loin des lignes. T'es trop loin. Casse la distance, même si tu mets pas de coups, tu es t'approches. Tu casses la distance en bas, en haut, dans les bras, comme on avait dit, là, les mains trop hautes. Tu n'as pas le coup pendant 12 jours, c'est terminé là. Vas-y, va trouver le coup. Travaille encore face, casse la distance. Eh, c'est maintenant ou jamais. Reste pas travailler de près. T'entends? Colle-le, ne recule pas. Réveille-toi, merde. Allez, c'est parti. Colle-le. C'est le début de la 7e reprise. Allez pour cette Maxence. Début donc de la 7e reprise. Les orientations données à Samir Kasmi sont bonnes. Simplement, la mise en œuvre comment est plus, les plus compliquée face à un Ivan Mendy qui est difficile à gérer, qui est difficile à manœuvrer, donc qui contrôle son match. Systématiquement, en contre-attaque, touche. S'il travaille comme ça en uppercut, en collant, il y a des ouvertures et il peut un petit peu réduire la différence et ses chances augmentent, même s'il est dominé. Oui, Jean-Philippe, il peut essayer effectivement, mais sur 2-3 coups, pas sur 4-5 coups, parce qu'après, la sentence elle est immédiate et quand il se colle, il reste collé et puis une petite séquence un peu interdite en s'accrochant comme ça. Alors que le combat est très clair. Fort heureusement, entre ces deux boxeurs qui se respectent. Le gratin des boxeurs français, mais on a aussi les gratins des juges arbitres européens autour du ring. Les meilleurs, parmi les meilleurs qui sont en activité. Dont deux Italiens. Deux Italiens et deux Français. Ils sont tous les deux WBC. Exactement. Voilà, la pression de Samir est bonne. Et voilà, il faut qu'il reste dessus, il faut qu'il colle, il ne faut pas qu'il empêche le bel uppercut.
faut qu'il empêche vraiment Yvon de s'installer. Voilà, il faut vraiment qu'il se colle, voilà, comme ça. Attention au contre. Attention! Oui, oui, oui. Sur le crochet gauche, il a été touché. Il va être long ce round, encore une minute. Qu'est-ce qu'il est là? Pourtant, il souffle un peu, il souffle et il souffle. Attention, quand il est comme ça. Non, il est coupé à l'arcade droite, ça saigne. Et d'ailleurs, il est obligé de s'essuyer avec son gant droit, ça va le gêner, le déconcentrer, il n'a pas besoin de ça. C'est la seule chose qu'on peut reprocher à Yvan Mendy, c'est de ne pas être suffisamment agressif parfois. Quand il touche, c'est lui qui prend le coup. Mais quand il touche, il ne se jette pas, il ne se projette pas comme le font les grands boxeurs américains qu'on connaît lors des championnats du monde. Il se laisse vivre. Mais alors, quelle réaction de Kasmi, merveilleuse. Incroyable ce qu'il a fait là, il y a quelques secondes. Il était au bord de la rupture, il a réagi. C'est lui qui a inquiété Mendy. Quel cœur! Quel cœur! Il mérite tous les mots. Kasmi est impressionnant, même s'il est dominé. Ouf! C'est un boxeur qui lâche rien. Sois plus mobile avec ta position. Il m'a pas touché, je le sais. Et sois plus mobile avec tes jambes, t'es pas obligé d'attendre là-bas. C'est mieux quand tu es sur tes jambes parce qu'il n'arrive plus à te suivre. Donc sois sur tes jambes, sois loin. Voilà. Sois juste sur tes jambes. Sur tes jambes. Hein ? Reste pas près de lui. Je sais pas comment il est dans l'état qu'il va finir, il va à l'hôpital. Fais mieux d'arrêter. Avance un peu, Yvan, passe la poche de garde. Tu te concentres. Sois très dur avec lui. Pas de bêtises, Yvan. Sois loin de lui à chaque fois avec les jambes, mais tu joues avec lui. Il va plus le joueur. Ferme bien tes mains, tape pas sur le dos du crâne. Continue à le savater au corps dès que t'as l'occasion. Il va s'arrêter sur un coup au corps, ça se trouve. Allez, sois concentré. Fais du zoom. Joyeux d'or. Huitième reprise. Allez, tout le monde. Surprenant hein, cette réaction au crochet droit de Kasmi, comme on l'a vu sur ce ralenti. Dans la douleur, il a une réaction de guerrier. Il a l'arcade droite. Mais qui a été bien soigné. On a stoppé pour l'instant dans la minute de repos. Un peu l'hémorragie. Lui là, Yvan, il a monté son niveau de complication. En bougeant comme ça, c'est difficile à Samir de s'approcher. Et toujours beaucoup d'ambiance hein, dans cette magistrale soirée au lieu de la boxe depuis maintenant 23 ans. Tellement de belles soirées, hein. Hein, Souliman? Ah oui, quelle soirée d'ailleurs. Oui, Souliman, s'il a boxé ici, pour à la fois des titres nationaux, européens et mondiaux. Exactement. Que de bons souvenirs. À nouveau vient de se rouvrir tout doucement, je pense qu'elle s'aggrave aussi. Ce serait bien que le médecin 8e round puisse regarder, mais c'est vrai que ces combats usent hein. C'est-à-dire que Kasmi avec son orgueil c'est formidable, mais en même temps il faut pas renouveler. Alors il n'y a pas beaucoup boxé, je le disais, son dernier combat c'est il y a presque un an. Il est devant les adversaires comme Mendy, comme ça, qui savent, qui usent hein. Il prend des coups. Attention, le direct du droit, même si Kasmi fait un petit signe comme ça, on se rend compte sur ce magnifique gros plan. On se rend compte de l'impact et de l'intensité. Après, c'est vrai, Dominique, qu'un champion doit être capable, à un moment donné, d'abréger, de conclure. C'est le seul petit reproche qu'on peut faire passer à l'étape supérieure. Mais il l'a fait devant l'anglais, devant Campbell, puisqu'il l'a battu chez lui à Londres. Donc... peut, je pense, passer à l'étape supérieure, Yvan Mendy, donc, et s'acheminer vers un championnat du monde.
comme il est sous contrat également, donc au niveau promotionnel avec M. Koné, je pense que ça va pouvoir se faire sur les prochains mois. C'est sûr que le visage terriblement marqué. Ah, c'est impitoyable hein, ce gros plan. Fin de la 8e reprise. Mets-nous dans la gueule. On a bien besoin de ces 60 secondes de repos. Avec l'interview de Samy Traoré. Samy Traoré avec Pierre. Oh là là, il y a une super soirée. Hein. Quel plaisir d'avoir le grand Samy Traoré avec nous, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Samy, est-ce que vous vous régalez ici dans cette salle? L'ambiance commence à monter dans la salle Marcel Cerdan. Oui, je me régale. Il y a eu des beaux combats depuis le début de la soirée. Et puis avec ce combat-là, je crois qu'il y a énormément de supporters. Donc c'est vrai que ça donne une belle ambiance. Qu'est-ce que ça donnerait Samy Traoré sur un ring de boxe? Faut voir. Je suis venu avec mon entraîneur de boxe, justement, ça fait un an que j'en fais. Je fais de l'anglaise en amateur depuis un an, puis ça se passe bien. C'est un autre sport, ça n'a rien à voir avec le football, mais c'est intéressant aussi. Merci Samy d'avoir été avec nous. On rappelle, vous passez vos diplômes pour devenir entraîneur. Voilà, peut-être le futur entraîneur du Paris Saint-Germain, Jean-Philippe. Ça serait pas mal ça. J'aime bien. Oh là, attends, là, là, là. Droite, oh le pauvre. Oh, sur la droite, ça va être. Il est très mal, il a très mal. 2 minutes 40 secondes dans ce 9e round. Peut-être que M. Dolpierre va le déclarer KO. Il se relève, il peut faire la montée. Non, mais c'est judicieux. Samir Kasmi est orgueilleux, alors il le regrette. C'est toujours quelque part un peu humiliant. Il ne peut pas comme cela. Hein. Et c'est plus sage parce qu'il y a quelque chose d'inéluctable. Et puis que j'en parlais de protéger sa santé. Donc bien sûr que c'est frustrant pour lui, il est malheureux. Mais Mendy était trop fort ce soir. Il était trop fort. Kasmi a donné tout ce qu'il pouvait. Et Mendy va le voir et c'est bien. Qui vend Mendy aille le voir. Un boxeur méritant, Samir Kasmi, on ne peut rien lui reprocher sur son attitude pendant le combat. Et c'est magnifique. Courageux, il le démontre à chaque sortie de combat. Mais effectivement, quand il n'y a pas d'issue, ça ne sert à rien. On revoit au ralenti. Oh là là, le crochet gauche qui fait sauter le protège-dents et qui. Et ce ne sont pas les coups les plus nets, mais c'est la fatigue, l'accumulation des coups. Même si le crochet gauche était bon, voilà la mâchoire. Comme cela, le visage qui tourne. C'est des coups circulaires qui sont très très dangereux. Surtout qu'on ne les voit pas venir comme là, le crochet l'a surpris et a eu la droite derrière. Puis lui s'est mis à genoux tout de suite en disant que c'était vraiment difficile. Et je crois que c'est le cumul, c'est la fatigue. Simplement, on arrive vers le dernier tiers du combat et il a beaucoup donné. Mendy qui gagne ce soir son 34e combat, 17e avant la limite. Il faut maintenant qu'il vise le niveau supérieur. C'était donc un titre international WBC. Maintenant, Mendy, c'est le championnat d'Europe, voire peut-être au-dessus. On va écouter la décision dans quelques secondes. Kasmi qui est dans son coin, qui récupère. Il a fait ce qu'il pouvait, hein, Samir Kasmi, avec ses moyens. Mais Mendy était trop fort ce soir. Et on se rend compte aujourd'hui à quel point Ivan Mendy a progressé. Hein. Depuis maintenant 10 ans, il y a une progression régulière. Oui, effectivement, c'est vrai qu'en France, on aime beaucoup les titres mondiaux et européens. Mais il faut savoir que dans une carrière, c'est bien de faire des combats internationaux pour apprendre tous les jours avec des boxeurs qui n'ont pas le niveau mondial, mais qui sont juste en dessous pour préparer et devenir un bon champion du monde. C'est vrai. Alors Mendy qui pose avec Giovanni Boggia, un petit signe de la main, bravo les gars. Vous restez avec nous, hein. Vous restez bien entendu avec nous parce que on a ce combat et puis Patrick Bois Junior dans son vestiaire maintenant le championnat d'Europe qui approche. Moment important, championnat d'Europe des poids mi-lourds. Et si ce soir on avait un nouveau championnat d'Europe, on a vu hier Cédric Vitu gagner, de quelle manière? Peut-être que ce soir, mais ça va être compliqué. Bravo Mendy qui sportivement porte Samir Kasmi. C'est une belle façon hein, de lui rendre hommage. Voilà, il a fait ce qu'il pouvait, ouais. Samir et Jean-Pierre.
de gentleman. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, est donc déclaré vainqueur de ce combat par KO technique. 2 minutes 33 dans la 9e reprise. Et toujours champion international pour le World Boxing Council, Ivan de sourire et de faire un petit signe à Souliman avec la jambe parce que c'est un petit clin d'œil au kickboxing. C'est clair, kickboxing, voilà, boxe française. Voilà. Voilà. Et Pierre avec notre champion. Voilà, Yvan on va s'approcher, un petit peu Yvan, on lui laisse le temps de s'installer avec sa ceinture. Tout simplement Yvan, on vous a senti parfaitement serein, on vous a senti dans le contrôle pour ce combat. Ouais bah le travail. Ce qu'on a fait à la salle, bah, ça a porté ses fruits. Hein. Vous savez, on s'est fait la misère pendant pas mal de temps. Donc voilà, et en voilà le résultat. Donc satisfait du combat, mais il y a toujours des petites choses à travailler. Hein. Vous savez, c'est comme ça, on est des insatisfaits, nous. Hein. Donc c'est vrai qu'il faut travailler encore. Yvan, la suite, c'est travailler pour faire quoi? C'est quoi l'après-combat, l'après-victoire ici face à Kasmi? Bah, le but, c'est de redéfendre le titre pour pouvoir monter dans la Fédération World Boxing Council. Donc voilà le but. Ensuite, voilà, pourquoi pas devenir challenger au titre et pourquoi pas défier le champion du monde. Voilà le but. En tout cas, vous avez enflammé la salle Marcel Cerdan ce soir, Yvan, vous en avez conscience. Ouais, bah, je tiens à remercier tout mon public de Pont Sainte-Maxence, les amis, la famille qui se sont déplacés. Ça fait vraiment plaisir et c'est grâce à eux. La victoire, elle est pour eux, tous ceux qui se sont déplacés. J'ai été suivi par la famille aussi au Sénégal, ça fait plaisir. Donc voilà, je voulais leur rendre hommage par ce combat. Et bien voilà, les messages sont passés. Merci Yvan, très belle victoire d'Yvan Mendy, mon cher Jean-Philippe. Ah oui, ouais, sur ces images douloureuses, hein. On a eu mal et heureusement que l'arbitre est intervenu pour arrêter parce que ça devenait de plus en plus compliqué, voire dangereux pour Samir Kasmi. Alors, et on va d'ailleurs avant de faire un petit break, alors qu'il souffle, il a besoin de souffler, il est conscient